Vous voulez créer des diaporamas originaux? Transformez vos photos en diaporamas dynamiques et pleins de vie avec SmartShow 3D. Vous aimez cette démo? Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment réaliser de superbes diaporamas avec des collages, effets animés, transitions élégantes, texte, musique et commentaires sonores. Pour commencer, créons un diaporama en 5 minutes en utilisant des modèles préétablis. Après avoir lancé le programme, cliquez sur Projet en 5 minutes. Dans la fenêtre d'assistant, choisissez un modèle parmi une collection de modèles à thème. Ensuite, ajoutez vos photos une par une ou chargez le dossier en entier. Le nombre de photos recommandées pour ce thème va apparaître en bas de la fenêtre. Ajoutez votre musique préférée ou bien sélectionnez parmi une collection intégrée. Cliquez sur « Effectuer » afin de prévisualiser votre diaporama. Maintenant, nous allons créer un nouveau projet à partir de zéro. Avant d'ajouter vos photos, familiarisez-vous avec l'interface du programme. Dans la barre de menu, vous trouverez toutes les fonctions de base. Les onglets situés au-dessous vous permettent de travailler avec vos photos, vidéos, différents effets, transitions, musique. À droite, se situe le lecteur qui permet de prévisualiser chaque diapositive que vous créez. En bas, vous trouverez le plan de montage où vous pouvez disposer vos photos et vidéos. Ajoutez vos photos et vidéos dans le plan de montage. Vous pouvez les placer comme vous voulez simplement par glisser-déposer dans la position souhaitée. Pour éliminer les bords noirs, cliquez sur Position de la photo, Remplir le cadre. Agrémentez votre film de collage prêt à l'emploi. Passez à l'onglet Modèles pour découvrir des dizaines de modèles de collage qui peuvent être utilisés autant pour des diaporamas famille que pour des films photo professionnels. Cliquez sur le collage que vous préférez pour le prévisualiser avec des photos par défaut. Cliquez sur Ajouter au diaporama, ajoutez vos photos et regardez votre collage animé en action. Si vous voulez réaliser un véritable film avec des photos, vous devez ajouter également des titres. Passez à l'onglet Modèles de texte, vous y trouverez une large gamme de modèles de titres d'ouverture pour différentes occasions. Glissez le modèle dans le plan de montage et entrez le titre de votre diaporama. Cliquez sur Lecture pour prévisualiser le résultat. Donnez vie à vos images fixes en ajoutant des effets d'animation et de transition fantastiques. Dans l'onglet Effets, cliquez sur l'effet que vous voulez essayer et faites-le glisser sur la photo choisie. Faites apparaître vos images d'un arrière-plan flou. Fusionnez, faites-la voler autour de la diapositive ou réalisez un effet 3D. Vous voulez passer d'une diapositive à l'autre de façon harmonieuse? Ouvrez l'onglet Transition et sélectionnez les effets qui correspondent le mieux à l'ambiance de votre vidéo. Toutes les transitions sont divisées en plusieurs catégories. Ainsi, vous pouvez choisir parmi les transitions standard, dégradées, double, originales, 3D. Si vous voulez créer un diaporama vraiment unique, cliquez sur l'icône de signe plus verte en bas et ouvrez le Transition Wizard afin de créer vos propres transitions fantastiques. Pour en savoir plus sur Transition Wizard, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Comme touche finale, ajoutez de la musique à votre projet.
Ouvrez l'onglet « Musique » et sélectionnez de la musique dans la collection intégrée. Ajoutez-la au plan de montage. Vous pouvez également enregistrer votre voix. Passez à l'onglet « Commentaires sonores » et cliquez sur le bouton « Enregistrer voix ». L'enregistrement sera effectué à partir de votre micro par défaut. Ajoutez ce fichier audio à votre diaporama. Ouvrez le mode chronologie pour mieux organiser la musique et les commentaires sonores. Déplacez les fichiers audio jusqu'au moment où ils doivent commencer. Après avoir terminé à travailler avec votre diaporama, n'oubliez pas de prévisualiser le résultat dans le lecteur intégré pour vous assurer que tout est parfait. Si vous êtes satisfait du résultat, ouvrez l'onglet « Créer » pour décider comment voulez-vous partager votre réalisation. Trois options d'exportation de vidéos vous seront proposées. Créer une vidéo pour ordinateur, tablette ou smartphone, graver votre projet sur DVD ou enregistrer pour les réseaux sociaux. Afin de pouvoir regarder votre diaporama sur plusieurs dispositifs, enregistrez-le pour smartphone ou téléviseur. Le logiciel supporte de nombreux modèles de téléviseurs et de smartphones, y compris les derniers modèles d'iPhone et de Samsung. Gravez votre diaporama sur DVD afin de l'offrir comme cadeau. Cette option vous permettra de sélectionner le modèle de menu qui s'affichera une fois que vous insérerez le disque dans le lecteur. Pour partager votre diaporama en ligne, enregistrez-le pour YouTube, Facebook, Vimeo et autres réseaux sociaux. Enregistrons notre diaporama pour YouTube. Le programme offre tous les paramètres nécessaires. Simplement cliquez sur « Démarrer » et obtenez votre vidéo dans quelques minutes. Avec SmartShow 3D, vous pourrez créer facilement des diaporamas époustouflants. Le logiciel vous offre bien plus de fonctionnalités que nous n'avons pas mentionnées dans cette vidéo, telles que la création des filigranes pour protéger vos travaux créatifs, les effets d'animation personnalisés, le montage de plusieurs calques pour créer une vidéo image dans l'image, des filtres photo artistiques et beaucoup d'autres. Vous êtes prêt à créer votre diaporama sensationnel ? Téléchargez SmartShow 3D et réalisez des films photos fantastiques dès maintenant !